Salut à tous. Alors, comment vont mes lèvres ce matin? Eh bien, rien à voir avec la dernière fois. Alors, c'est vrai que c'est un peu sec, on voit que ça commence à faire des croûtes, ce qui est le processus, on va dire, normal hein, pour que ça cicatrise. J'ai bien dormi. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas lancé, tiré comme la première fois. J'ai l'impression que ça va justement cicatriser beaucoup, beaucoup plus vite. Vous voyez, j'ai mis ma vaseline pour éviter l'inconfort quand même, et puis surtout pour ce qu'il faut, il faut hydrater un maximum. Sinon, ce matin, je vous avais dit qu'on devait aller au garage, c'est chose qu'on va faire là dans 15 minutes. Donc je vais avec lui, on va changer les deux pneus de l'avant. Et le temps de l'intervention, vu qu'on doit rester sur place, je crois que juste à côté, il y a Action. Comme j'ai quelques petits trucs à prendre, et notamment pour notre rideau qui est tombé, vous savez, c'est les deux adhésifs qui tiennent les tringles. Il est vraiment temps qu'on l'achète. Nous voilà chez Peugeot. On a mis des pneus Michelin. Des pneus. Oui, parce que tu avais la possibilité d'avoir trois, mais vaut mieux mettre un peu plus cher et que ce soit de qualité, on est d'accord. Sur la sécurité, ouais. On ne lésine pas. Je suis d'accord. Effectivement, il est vraiment à côté, l'Action. Nickel. Bon, finalement, Eric a craqué, il a dit non, je me sens pas d'aller chez Action. C'est pas son truc. Je comprends. Je vais quand même prendre un petit chariot. J'ai l'impression d'être seule. Mais vraiment seule dans le magasin. Regardez les figurines en papier mâché, donc avec plusieurs animaux. 2,99€, je peux vous dire que chez Cultura ou chez, comment ça s'appelle, Zodio, je pense pas que ce soit ce prix-là. Je savais même pas qu'ils faisaient ça, je vais en prendre un. Je vous montrerai de toute façon à la maison. C'est original ça. Ah, c'est pour mettre ta tablette, c'est pas pour mettre... Quoi que tu peux mettre ton téléphone. Vous voyez, ça se clipse comme ça sur un rebord de table. Bon bah moi j'ai mes pieds donc je pense que ça vaut pas le coup, mais... Ça peut être cool, ouais, notamment quand tu fais de la cuisine, des recettes. Il a l'air sympa ce bocal à olive. Bon, j'en ai pas besoin, mais je trouve qu'il est bien foutu. Le retour des petites étagères. Bon, je pense aussi qu'en termes d'étagères, j'ai ce qu'il faut. Vous voyez, ça, c'est des petites tables d'appoint pour mettre notamment, enfin, eux en démo, mettre des plantes. Ça reste aussi très abordable. Je suis dans la partie, vous l'aurez deviné, animalerie. Qu'est-ce que je vois? Une petite tente, c'est trop mignon. S'il aime bien quand ça fait un peu cabane, mais je suis vraiment pas certaine qu'il aille dedans, c'est ça le problème. On dirait les pots que je customise quand je faisais mes DIY. C'est sympa. 1,99€. Ça aussi, ils avaient pas, c'est pour faire un mur végétal. C'était hyper la mode. Je dis que c'était, ça l'est peut-être encore, mais voyons comment ça fait. Ça peut être sympa. Là, ça rompt pas top, mais faut voir. Les fameux vases que je prends, que je customise également. Et notamment le grand photophore qui est là. On parle de tringles, de tout ce qui est déco chez Action. Je vais aller en face chez Brico. S'il y en a pas, je prends. Par contre, je sais pas où est Eric, je vais l'appeler d'abord. Je suis dans le rayon tringles à rideau. Ils sont où ces petits adhésifs? C'est dingue ça, je trouve pas. Et ben voilà, je tombe dans le rayon déco, Mathilde M. C'est fait exprès ça. Qu'est-ce que c'est joli à chaque fois. Ils sont même là. Mais non, c'est la cuvette de toilette qu'on se... Je crois, en dessous derrière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est joli. J'en ai déjà dans le salon, des petites bougies comme ça, les senteurs. Savon très Marie-Antoinette. Bref, Caro, t'es pas là pour ça. Ça me dit pas où sont les adhésifs. Oh, je vais te les demander, c'est nul. Alors, pour l'adhésif, j'ai plus grand chose. Ah, c'est pour ça. Ouais. J'ai mon fournisseur, normalement, ils doivent en changer. D'accord. J'ai supprimé, donc j'ai plus rien à moi. Ah, vous en avez pas du tout, là, en fait. J'en ai 6. C'est du standard, quand même. Ah, oh, oui, c'est du standard, sauf qu'ils sont gros. Je sors de chez Brico. Donc, je passe devant une voiture qui recule. Forcément, c'est une voiture automatique, on ne l'entend pas, le gars m'a pas vu. Et il est passé à ça de mes jambes. J'ai vraiment eu peur, lui aussi, le gars il a eu peur. Non mais, faire gaffe quoi. Bref, Eric m'a envoyé un message, comme il n'y avait rien aux alentours qui lui disait. Il s'est posé, le seul endroit c'était le McDo. Je le rejoins, il m'a dit je me suis posé en terrasse au McDo. J'y vais.
Par contre, là, le soleil au niveau de mes lèvres, je le sens. Alors. Oh, regardez, il est là. Salut. Bah, c'est gentil, mais je lis pas les trucs people. Juste. C'est pour faire plaisir. Bah, c'est cool. Par contre, il est trop beau. Bah, c'est pour ça que j'ai pris. Oh, merci. Je vois qu'on se fait plaisir le matin. C'est pas comme si on avait bien déjeuné déjà. Goûte-le sûr. Faut que je te montre un truc. Je veux juste voir ta réaction. Regarde ce que c'est. C'est quoi? C'est un truc dangereux. Pourquoi t'as horreur? C'est les miasmes, je ne supporte pas. Ah ouais? Ah. Le Tipeee pour Jackie? Non. Oh non, c'est le machin avec l'aig. Ah, avec l'œuf? Ah, oui. Tu vois, je vais goûter. Et ça c'est bio. Me disait pas. C'est trop, bio et vegan. Ouais? C'est bon? Moi, je n'ai pas goûté, j'adore. Très bon. Hein? Tu t'es pris quoi comme magasin? Les secrets du temps et de l'espace. Et bien, au final, chez Action, à part le Tipeee, qu'Eric d'ailleurs adore, et le petit ours en papier mâché. Vous savez, j'avais déjà customisé, c'était un flamant rose avec du papier exprès, j'ai vu chez Zodio. Ça me plaît beaucoup. J'ai pris que ça, ça ne servait à rien, j'avais besoin de rien d'autre. Et puis, bah, ce que vous avez vu, c'est les attaches, je vais m'empresser de mettre ça parce que ça commence à faire un petit peu sombre dans la maison. Et surtout, bah, je vais manger. Si maman, elle te le monte, est-ce que tu iras dedans? Oui. Ce midi, ça va être tout simple. Cordon bleu, chèvre épinard, sans matière grasse. Et comme c'est fait, je vais me rajouter une pomme. Mais je trouve que ça se marie super bien si vous avez l'occasion. Ça fait un petit peu en guise de légumes. Mais pendant ce temps-là, je pense que je vais regarder les potins là, du magazine qu'Eric m'a pris. Regardez comme il est tout mignon quand même, ce bracelet Swarovski. Apparemment, il y avait trois couleurs. Alors après, le blanc, il est magnifique, hein, j'adore. Mais... ça doit être assez salissant. Voilà comment il est remporté. Et il est plutôt mignon, hein. Ah, si j'avais pas vu, c'est au dos. C'est des couleurs qu'on peut avoir, donc prune, rose et un peu beige, blanc. Ah non, oh, oh, mon précieux, j'ai failli le casser. Attendez, je vous le montre. Tu vas avoir ton petit tipi, hein. Puis tu iras pas dedans, puis ça va énerver maman. Désolée pour la lumière, hein. Mais si je voulais voler, ça va faire entrer la chaleur. Je pense qu'on se comprend. Ah bah non, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à le tendre. Et il est tout mignon ce tipi. J'ai une bonne idée, hein, qu'ils aient mis quand même cette petite moumoute. C'est le tipi de Jackie. Eh oui. T'as vu? Et puis, hein. Mais ce sera pour cet hiver plutôt. Ce sera pour cet hiver. Oh oui. Sinon, je dois repasser à une imporceau aujourd'hui pour récupérer le baume que je dois appliquer sur mes lèvres. Hier, on n'a pas pu le prendre. Et je vais en profiter parce qu'ils font Make Up Revolution depuis peu. Et c'est vrai que leur palette, il y a un grand choix et je vais me faire ma propre idée. C'est pas super cher, donc je pense que je vais m'en sélectionner une. Me voilà de retour. Je suis restée chez une heure pour soi un bon moment. Déjà, j'ai mon baume, ça c'est cool. Et j'ai trouvé ce que je voulais aussi, la petite palette. Je vous montrerai tout ça à la maison. Eric, comme d'hab, il m'a dit de le rejoindre à la... Comment ça s'appelle? Cultura. Non, c'est pas Cultura, l'espace Cultura. On va passer chez l'un de ses grands-fils, à Eric. Je crois qu'il devait voir avec lui un truc. Coucou, Balou! Ça va? Ça va, ça va. Ah, Balou! Assis! Ne bouge plus, stop! Dis donc, Eric, tu dresses bien les chiens. Oh, regarde, il est tout fou! Oh non, Balou! Moi, je sens le Jackie. Il ne faut pas lui parler. Parce que ah, pardon. Tu dis Balou. On est rentré, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà, c'est le petit baume, hein. After Ink Lips, donc c'est du baume, hein, pour protéger. Et j'ai donc pris, alors attendez, ça va être mieux, je vais vous montrer directement. Choco Mint, palette en forme de tablette chocolat, et les couleurs qu'on a à l'intérieur. Voilà, c'est un petit dégradé, donc on a du marron, c'est des couleurs quand même assez chaudes.
Le verre là, il est assez intéressant, je pense, à travailler. Pas évident, mais il y a un truc à faire. Elle coûte 10,30 € la palette. Je trouve que c'est pas trop trop cher. Hein. Et je me suis repris à un fond de teint. Alors je vais tester celui-ci. Haute tenue. Clarins, hein, très bonne marque. J'ai pris la teinte 108, je crois que c'est Sand. Ouais, c'est ça. Ça se présente comme ça, et c'est vrai que je n'en avais plus du tout. Et j'adore tester, vraiment. Donc j'ai pris ça et ça. Elle m'a mis ça en échantillon, Lacoste. C'est un gel douche. Ça a l'air sympa, hein? Il est 21h30. Vous entendez? La fenêtre est ouverte. Il y a le concert qui est pas loin. J'ai été prise d'une douleur en bas du ventre violente, toutes les ovaires, c'est pas possible, à me tordre. Donc je viens de prendre deux space-fonds là. Je vais vous dire à demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bon, allez, salut!